Organisation politique pour famille Lavalas. Organisation politique famille Lavalas, saluer la presse en général et remercier nous de ce que nous faisons déplacement pour venir prendre et puis à s'y marier parole majoritaire, parole peuple. 17 octobre 1806, 17 octobre 2020, ça fait exactement 214 l'année depuis un petit groupe apatride, depuis un petit groupe causé, mêlé à colon raciste, de assassiner lâchement Papa Nation, environ Jean-Jacques Dessalines. Assassinat ça, pas seulement visé éliminer l'empereur physiquement, assassinat ça, pas seulement visé détruit, bref, chaque premier, de gagner pour chaque haïtien de vivre dans la dignité, pour chaque haïtien de vivre dans le monde. Parce que l'idée pour un projet, tout le monde, c'est le monde. Mais assassinat ça, c'était un acte pour que vous ayez détruit la nation haïtienne, qui était sur une belle leçon pour l'histoire à colon criminel raciste en 1803. Ah là, un bel peuple. C'est le peuple haïtien. 214 années après, la majorité, dans la bataille pour bien-être, pas jamais suspendre faire résistance face à la minorité criminelle à partir de là. 214 années après, la majorité, pas jamais suspendre faire face à la colon raciste. Ça tout permet de nous songer, toute résistance peuple haïtien a été faite, de permettre de retour à l'ordre constitutionnel. Pour te permettre de retour physique, docteur Jean-Baptiste Aristide, 15 octobre 1994. Chapeau pour le peuple voyant ça. Chapeau pour le peuple haïtien. Chapeau tout pour l'idée historique du peuple là, docteur Jean-Baptiste Aristide, pour toute belle page d'histoire. Le peuple haïtien, c'est un peuple qui est en un peuple qui compte faire résistance à chaque fois la liberté menacée. Je veux dire, même criminel à la patrie, qui était assassiné par la nation, ou de quelle majorité en mise à indigne à l'exclusion sociale là. Je veux dire, même criminel à la patrie, qui était assassiné par la nation, ou de quelle et peuple là dans l'esclavage de ça, même la patrie, même sensi, même criminel, même assassin, ça qui ont même organisé deux coups d'état contre la majorité, contre ma soeur, continuer à poisser un peuple là. Massacre s'arrêter dans toute catégorie. Spécialement dans Kafoufou, La Saline, Tokyo, Cité Soleil, Grand Ravine, Berlin et la Pied. Kidnapping dans toute la cour dans le pays, dans l'objectif pour criminels sans foi ni loi, augmenter fortune, forcer petit pays à quitter le pays et puis augmenter l'oppression. Corruption, pillage, dilapidation, cagotte dans la catastrophe. Assassinat planifié, soit avocat, Medova, assassinat planifié sous étudiant dans le bureau Saint-Hilaire, pasteur, père, petit machin, entrepreneur et la vie. Plan la mort qui a commencé depuis sous assassinat, Papa Nation, rivé sous leader historique Papa Haïtien, là on a parlé de Dr. Jean-Baptiste Aristide. Plan la mort ça a continué aujourd'hui, dans le seul objectif pour exclure la majorité et puis quitter le courbis de la misère avec la grâce. La situation à Luxara, côté avenir jeunesse là, avenir tout peuple là menacé, côté chaque jour qui passait, c'est plus cadavre dans le camp massif, dans le camp majorité. Organisation politique Famille Lavalas, qui toujours campé et qui fait yon avec le peuple là, pas jamais suspendu, c'est chaudier là qui vous chavouille. Et de fermeté tout par rapport à la détermination pour empêcher que la démocratie a fait bac dans le pays et pour empêcher toute tentative, tentation d'installation de dictature. Nous venons de solidarité sans faille à militants AAAE, à maman AAAE et à sénateur Yuri Latosu et à famille et victime non Rico. Et nous là, et même c'est Émile Rachol, vice-président exécutif chargé du développement politique de MDV Haïti. À côté, M. Choules Sikazir, qui est secrétaire général et Patia. En face, M. Richard Sénécal, qui est vice-président exécutif tout et chargé de communication Patia. Et puis, Mme Marjorie Cadet, qui est coordinatrice communale.
et pour MTV Haïti, et qui est responsable de la deuxième circonscription pour Port-au-Prince, et qui est Mme Baba Baptiste, et qui est membre du secrétariat général MTV Haïti. C'est quasi nous, le sénateur en visite, donc qui vient nous interpréter sa privé, comme il y a la pays. Bon, gouvernement, bon, nous tous nous admettre que jeudi à là, nous rentrons dans une dictature. Le président rêvait installer CEPA, ça n'est le CEP 22 septembre, là, les tout doux qui projèle et les tout dit tout que les mêmes mais qui route pour livrer pour un pays. Et nous toutes, et ma grande majorité de population, pas d'accord, je dis, avec Jean PIA à diriger là. Ça qui arrivait à chef sécurité, sénateur La Tortue, c'est une menace pour toutes démocrates dans le pays, c'est une menace pour toutes forces progressistes, c'est une menace pour étudiants, c'est une menace pour chaque jeune qui croit que y a un avenir dans le pays, ça, et solidarité, nous, les totales. Je dis à la petite accident qui arrive dans AA, il y a plusieurs autres, nous pensons qu'il est arrivé dans le pays encore, et personne, nous, je dis à pas épargné. Et puisque personne pas épargné, nous croyons qu'il est venu le moment, plus que jamais, pour que nous toutes, nous mettions tête nous ensemble pour que nous soyons capables de remettre le pays sous train démocratie, mais pas en démocratie de façade, mais démocratie ça qui est capable d'adapter à la réalité, pas nous, démocratie ça qui est capable d'aider nous mener le pays sur route. Et développement. Donc, c'est une solidarité totale pour nous dire que la classe politique, la société civile, la force vive, il y a nous toutes, nous devons réveiller nous parce que la route que le pays a pris là, je dis là, nous sommes sûrs que ce n'est pas bon ni pour nous-mêmes, ni pour petit nous, ni pour petit nous. C'est le moment plus que jamais pour que l'élite nous assume responsabilité yo, et nous ferme sous décision nous pour que nous capables pour mettre, je dis là, pour que le plan dictatorial pour voir Rose là n'est pas accompli en Haïti. C'est fini. Qu'est-ce que l'assassinat ça a dit? Est-ce qu'ils sont mal acquis chez le gouvernement ou bien ont été concernés? Ils ont visité une délégation MTV Femidia. Alors, vous m'avez dit, je suis très content de visite la délégation MTVA qui veut des solidarités avec Haïti en action dans le moment ça. Et moi-même, avec votre parole là, nous recevons la délégation et ça nous fait chaud au cœur, même si nous sommes en grande difficulté à partir du fait que Gagnère. Un membre de Haïti en action qui était joué rôle chef sécurité, non seulement de exécuter monsieur par 15 cartouches, et nous avons deux seuls, qui c'est gérant local ça, qui lui-même l'envoie à la touche. Heureusement, mais est à l'étape première. Et on a dit que nous voyons que la politique devient la guerre. La politique, c'est idée, c'est l'arme de la dialectique. Mais nous voyons, la guerre a changé, c'est la dialectique des armes. Et m'a dit mon bagaille. C'est que ça arrivait dans lundi soir, dans mercredi, les gens venus pendant que là, ils tiraient à la fois. Hier, en bas là, ils tiraient encore. Ça veut dire que la guerre a continué, la persécution a continué. Parce que, semble monsieur, qu'elle était ratée lundi, mais ils voulaient grave. Et l'homme venu là, dans l'heure où venu, eh bien, toujours il y a des va-et-vient, et c'est ça qu'a fait. Ça veut dire que, persécution à possible. Pourquoi ça? Parce qu'on a dit vérité. Même j'ai MTV a dit vérité. Dossier qui a sorti va nous former, va nous forger. Il y a là au public, tout le monde voit. Mais à l'angle de la dialectique, il répond par la dialectique des armes. Et c'est peut-être ça que je dis que je dis. Solidarité sera important parce que nous tous nos besoins, mettez tête ensemble pour nous dire. Politique, hein? C'est par la parole, c'est par le dialogue, c'est par la concertation, c'est pas par les armes. Les armes qui là que l'État doit gagner, c'est pour arrêter m'a dit. Zam qui l'a eu, c'est pour moun qui en infraction avec la loi. Et là encore, je suppose arrêter ou mener ou devant la justice. Là, Rico, comme père de Papa Katimoun, il va même mener devant la justice. Si son bail était fait, il va même reprocher, il va exécuter. Et depuis qu'il a exécuté là, il a cherché, continuer, eh bien, persécuter, ban pression. Donc, dans ce sens, je pense que la meilleure façon de répondre, c'est la solidarité. Et encore une fois, merci. Autopsie à faire. Il y a le commissaire gouvernement pour l'autopsie. Et c'est après l'autopsie que nous avons fixé. Nous finirons là. On va regarder avec Fabien, on va regarder avec coordination que Haïti en action que nous avons donné. Nous parlons avec eux. On a obtenu une réponse là pour que nous avons fixé la fin. Gardien à la fin. Gardien est à l'instable, il est dans la douche. Mais nous remercions tous les médecins, infirmières, personnels soignants qui étaient sous l'île dans l'hôpital là, puisque était en stade. Il était pas encore touché à nous, même d'appeler ça et arrivé ça. D'accord, merci. 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 Merci